Et salut à tous les amis, c'est GarCTLIS. On se retrouve avec Noah pour un nouvel épisode sur Dying Light. Et comme vous voyez, on n'est pas au même endroit que lors du précédent épisode, étant donné qu'on a eu un léger bug technique. Enfin bug. On s'est fait assaillir. On s'est fait assassiner. Donc du coup, il faut aller... retrouver Jade. Dans l'immeuble rouge, puisqu'il est lui. Bah, il est juste en face. D'accord. Juste à côté en fait. Oui. De munitions pour mon fusil. Merci Noah. Mais en fait il m'a fait la courte échelle et on est sur les meubles en plus. Comment on rentre? Quoi la vie? Donc il y a un crochetage intermédiaire ici. Oh mais attends une... j'ai trouvé. Attends une seconde, j'ai un petit problème ici. Ah ouh. Veuillez l'en excuser. Problème personnel. Nous allons patienter quelques instants le temps qu'il règle ça, si vous le voulez bien. Sinon vous ça va? Ouais. Ouah. Pour ma part, bof, comment dire. Je frissonne un petit peu. Pendant qu'il fait ça, moi je vais m'amuser avec le crochetage. Ding! Hop! Voilà, bon bah je sens que je vais encore devoir faire une toute petite ellipse. Parce que... non, bah là c'est bon. Ah c'est bon. Donc voyez, excusez. Du coup, c'est où qu'on rentre en fait? Par une fenêtre sur la grande place où il y a la tente. Où ça? Ah. La tente un peu plus bas. Aïe. C'était pas prévu. Il est même passé devant moi sans me voir. Putain. Allez, viens. Je vais t'amuser avec la porte. Oula, la dépop celle-ci. Jade! Jade! Qu'est-ce qui arrive à un scorpion quand on lui coupe le dard? Viens au musée pour le savoir. Oh non. Troy ici Crane. Rice a capturé Jade. Il la garde dans un musée quelque part. Tu sais de quoi il parle exactement? Un musée? Ah oui, oui. Rice y a installé son QG. Crane, ne va pas là-bas. C'est une véritable forteresse. Ce serait foncé tête baissée dans un piège. Je suis pas sûr que ce soit un piège. Enfin, il doit bien y avoir un moyen d'entrer en douce. Pour les prendre par surprise. Je sais pas. Peut-être Tariq? C'est le conservateur du musée. Il doit sûrement bien connaître les souterrains qui courent sous cette forteresse. Bien, je vais aller lui parler. Ok. Il y a un immeuble avec un jardin sur le toit. C'est là que se trouve Tariq. Dernier point. Si tu peux, trouve-toi de nouvelles armes. T'en auras besoin. Ok. Alors. Alva. Non. Alors... je vais fermer la porte parce que je suis poli. Non, je vais aux toilettes. Ah non, merde, c'est pas les toilettes. Genre, j'allais chier dans le placard, quoi. Oh. Dégueulasse. Alors, trouver le conservateur du musée. Ok, pas de problème. Pas de soucis. Le survivant est mort. Oh. Bah moi, je fais que passer, hein. Oh, c'est chiant quand ça fait ça. Tu veux passer par-dessus du zombie, mais en fait, c'est le zombie qui t'attrape. Où tu vas là, mon garçon? Oh! Plouf dans le sang! Genre, je lui ai fait profiter une petite baignade. Noah, doucement, il y a des gars de Rice. Hein? De quoi t'as peur? Viens te battre comme un homme! Putain, c'est ce que dit celui qu'on connaît, faut pas t'amijorer. Ah bon? Mais je t'ai fait mal, moi aussi, je t'aime.
Ça craint un peu par ici. Oh, accrochetage. Accrochetage aussi, là, je crois. Non. Oh, une caisse humanitaire. Bijoux volés et caisse humanitaire. Moi, j'ai que caisse humanitaire. En fait, y'a quoi là, caisse humanitaire? C'est que je... Ouille. Oui. Allez, continuons notre chemin. Aïe. Accrochetage ici. Intermédiaire, mais... Voilà. Niveau de puissance augmenté. Non, aïe, aïe. Tain, j'ai presque plus de vie. Ouais, j'ai accrochetage ici. De soins. Oh bien. Oui, vas-y. Il y en a deux. Ouais, moi aussi je l'ai. Hop, voilà. C'est alors... bizarre, parce que sinon... Oh putain, y'a vomito. Plan queue de coq, il y a un plan là. Là, près du PC. Bon, en fait, il y a deux vomitos devant le... dans la... devant le... Des vomitoïs. Oh putain. Faut pas me dire que tu sortais, toi. Je suis sorti, je suis dans une cour. Il n'y a pas de zombies. J'ai parlé trop vite. Comment? Ben voilà. Ouais, il s'est juste cassé la gueule. Ah bah moi je suis... bah... au bon endroit. Mais bon, je sais pas par où avec ça. Pas par ici. Bon. Bon bah moi, hein, j'escalade. D'accord. Je m'agrippe à travers la banderole. Armole. Oh, c'est beau par ici. Zone sécurisée et débloquée. Bah j'arrête. D'accord. Par où t'es passé, hein? Sur le côté, j'ai escaladé des fenêtres. Oh. C'est joli par ici. Un jardin sur le toit. Pan dans le mur. J'aime bien comment j'envoie les zombies dans le mur. Aïe. Vendre tous les objets de valeur. Acheter... plan baseball fatal. Les gens doivent manger. Il faut faire quelque chose. J'adore. Qu'est-ce qu'il a fait? Tu cherches peut-être quelque chose? Je suis ouvert toute la nuit. Ah oui, ça je prends tout de suite pour éviter plus de dégâts. Aïe 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 aïe. Dégagez. Attends, hein, parce que là, je suis en train de mourir. Ah bah, j'arrive. Bon, ça me fait chier parce que je suis tout en haut, mais bon. J'arrive. Voilà, je vais me... sonner tout de suite. Allez, monte. Par ici. Attends. Monte sur la camionnette et puis saute vers les fenêtres. Oh
T'as vu? J'ai plus de munitions, hein. Enfin, plus. J'en ai plus que 4, mais bon. Voilà. Bonjour. Pour faire une course. Ah non, merde, t'es pas là. Tariq, vous voulez quoi? On a rien ici, juste un peu de nourriture. C'est le même mec que... C'est... On dirait Michael. Du calme, c'est Troy qui m'envoie. Troy? Il louche un peu. Merci. Je suis une boule de nerfs depuis que j'ai trouvé ce gamin. Il n'a plus personne, mais je suis pas très doué avec les enfants. Je suis pas là pour ça. Mais Troy avait promis d'envoyer quelqu'un. Je dois entrer dans le musée. Dans le musée? Mais Troy avait dit qu'elle enverrait quelqu'un m'aider. Elle avait promis... Ok, Tariq. Vous me dites comment entrer dans le musée, et j'essaierai peut-être de régler votre problème. Rice contrôle le musée. Il vous tuera dès qu'il vous verra. Il ne doit donc pas me voir. Troy m'a dit que vous étiez le conservateur. Si quelqu'un connaît un autre chemin pour entrer, c'est vous. Je fais comment? Vous avez du matériel de plongée? Non. Dommage. Il y a une entrée dans l'étang des émeraudes, mais la plongée serait trop longue sans équipement. Vous finiriez très probablement noyé. Il y a une différence entre très probablement et sûrement. Je vais quand même essayer. Ouais, t'es con, hein, quand même. Sans équipement. Bah dis donc, ils sont bien ici. Ouais, j'aime bien. C'est pas mal. Puis j'ai un générateur, c'est bien. Ah! Si c'est pour la nourriture, tu dois attendre ton tour, comme tout le monde. C'est pas pour ça que je suis là. Je suis Crane, un traceur. Je devrais être là pour autre chose. On n'a plus rien. Nourriture, eau, médicaments. On s'attend pas à ce que la vieille ville soit plus pauvre que le bidonville. Mais c'est pourtant le cas. Je commence à me demander si ces rumeurs sur une grosse planque de nourriture en ville ne seraient pas la vérité. Dommage que la seule personne qui sait si c'est vrai est Abby Erdal. Il dira rien. Je peux le trouver où? À l'autre bout de la ville. Il est pas dangereux, juste un peu... difficile. C'est un ancien secrétaire de mairie, et il a un côté bureaucratique. Essaie de pas le tuer. Mais... si tu devais le tuer, je te comprendrais. Oh. En fait, à la base, je voulais pas lui parler, mais je croyais qu'il était là pour échanger, mais non, en fait, c'était lui. Eh ben non. Je prends toutes les munitions. Toutes les munitions qu'il y a, parce que bon. Je vends tout, parce que j'ai pas besoin. Bon. Allez. Bon, alors, je sais pas combien de temps d'épisode nous en sommes, mais je pense que c'est pas pour assez. Oups. Ça fait mal. 40 points. T'as perdu combien? Pas beaucoup. Parce que oh. j'ai joué la prudence. Ouais ben. Oh. Berk. Quoi, il y a un vomito? Ouais. Bah cours. Oh. Chopez-le. Hop là. Il y a un gars de Rice qui me poursuit et va non en fait deux virulents. Les virulents. Aïe, c'était le feu. Oh putain, il n'a pas un kit de sang parce que je. Bah viens vers moi. Il y a un crochetage. Bah, on l'a amputé. Pas le choix. Oh merci. Oh putain, blablabla. Merde. C'est passé quoi? À l'aide, y'a trop de zombies. On survivra pas une semaine sans inhibiteur. Ta gueule! Putain, il fait mal!
Attends, il y a un petit crochetage intermédiaire. Voilà. De l'argent. Poids lourd. J'ai récupéré un camion. Non, je déconne. Lol. Bon, alors. C'est long, hein, le trajet quand même, hein. Ouais. On a l'impression que la ville est immense, mais en fait, elle l'est pas. C'est comme sur le truc 2. Je l'avais dit dans, une précédente vidéo. Utilisé. Ouais. Ouf, t'es. Un démolisseur. Plus un vomito. Et moi, je te dirai de tracer la route. Ouf. Aïe. J'ai l'impression de me faire rouler dessus par un rouleau compresseur. Tellement cette impression de déjà vu. Bon, on trace la route, j'en ai ras le cul. Je vais finir ça. C'est bon, je ne plus. Hein. Je t'avais prévenu de ne pas s'arrêter. Je vais en finir un petit peu parce que là, j'en ai ras le cul. Je suis fatigué. On est pas loin s'il nous met là. Oh putain, que c'est couille. On est sur la tour. Ouais, bah c'est. Attends, moi, je monte plus haut, je vais prendre la tyrolienne. Hein. J'ai 30 FPS, c'est pas normal ça. Bah, voilà. Moi. Je monte tout en haut, je vais prendre la tyrolienne. Pourquoi je lag à ce point-là? Mais non, c'est le... Tu t'éloignes par là. Ouais, j'ai remarqué. Oh, celle-là. Ça va, je vais me démerder. J'ai des baisses de FPS ainsi. Non, là, c'est bon, je sais que l'ordinateur est fatigué, il en a marre. J'entends marteler ta manette. Sérieux? Oui, j'ai entendu le tic tic tic. Ouais, c'est la gâchette. Lui, il joue à la manette, moi je joue au clavier et souris. Ouais, moi j'arrive pas à jouer au jeu PC sans manette, surtout genre ainsi. Non. Ah bah voilà, j'ai trouvé l'entrée. D'argent. Là, j'ai un ennemi qui veut me tuer en fait là. En fait, t'es déjà perdu depuis longtemps. Ben oui. Cours, mon petit Noah, cours. Il y a un lac. Si tu vois le lac, c'est que c'est bon. T'y es presque. Oui. Oh, il y a un coffre accroché derrière un buisson. Pas accroché. Excusez-moi. Ouais, c'est le troisième épisode qu'on enchaîne et on est un peu crevé. Un peu tard aussi. Aïe. Oui. Un pied de biche. Allez. Attends. Blin. Je lag. Tu lag. Enfin, moi je lag pas pour le moment, 60 FPS. Mais moi ça fait des hauts, des bas, je sais pas pourquoi. Ça s'en va et ça revient. Pardon. Oui, ça, quoi. Attends, pas où il est le. L'entrée est quelque part sous l'eau. Où ça, c'est. Quand même. Ah, par là. Hein? Glouglou. C'est hard. Oui. Moi, je serais pas faire ça, par exemple.
Moi non plus. Vous avez des points de compétences inutilisés. Ah, de l'air. C'est le calme plat tout à coup. Ouais. Ah, il suffisait de demander. Ouais. Ouais. Je t'ai entendu faire. Il y a un coffre là derrière. Mais il y a un coffre. Oh, il connaissait le musée dont Rice parlait. C'était une forteresse. Oh, d'accord. Il me gratte sans arrêt. Où fait tout noir ici? Woufti. Aziz, lumière. Oh putain. T'as pas l'impression d'être tout petit? Je suis. Ouais. Bon, Noah. Stop. Stop ici, c'est bon. Capiche? Ja. Oh. Ouais, j'ai gagné un point de compétence grâce à toi. Oh, bedankt, mais Donc, sur ce, les amis, si vous avez aimé, petit pouce vert, si vous avez pas aimé, petit pouce rouge, j'ai un commentaire pour dire pourquoi vous avez pas aimé. Faites ça! Et si vous faites des fous, sortez couverts et prenez soin de vous. C'était Noah et à grand pour. Dying Light, bye tout le monde! Bye tout le monde!